Bonjour tout le monde, ici Pika Puff Kissé pour notre épisode de Horizon Forbidden West. Continue ça, on va continuer au side quest. Là on s'en va en mer. Il peut me repêcher. Essentiel a dit que le radeau allait vers l'ouest. Un radeau dans un océan. Est-ce qu'il a trouvé? Puis l'autre, le vieux monsieur. Le père à l'autre, il est où? Okay. Le voir ça ici. La seule île proche, il doit être sur ça. Une épave de radeau. L'objectif me semble peut-être. Il faut descendre pour le savoir. Il y a quelqu'un en bas sur ces rochers. Avec les pillards qui ont attaqué Rivemer, où sont les autres? Ils sont planqués au sommet d'une tour de l'autre côté de la mer, à l'ouest. Là où je les ai laissés. Je croyais que c'était des vrais Ténac, des soldats, mais ce ne sont que des assassins. Les Ténac de Rivemer pensent que vous devez tous être jugés. Alors qu'ils viennent me chercher eux-mêmes. Si tu veux rendre justice, retrouve les autres. Laisse-moi faire face à la mer. Mon dernier combat. Il est temps de prendre ton envol. Ok. C'est qui parle de la grande tour. Alors ces fugitifs sont dans une tour à l'ouest. S'ils sont près de Vivter, ils risquent de s'en prendre au coin. Je dois m'en occuper. T'as pas à en rester gros au jeu, là. Je pourrais juste me téléporter là, puis voler. Bon, ça sonne, t'sais, tant qu'à y être. Sauver du temps. Dans une tour, hein? Où est-ce qu'on parle là-bas? Là, quelqu'un a... Sûrement les pillards ont attaqué Rivemer. Je vois qu'il y a de l'agitation en bas. Là-haut! Quelqu'un vole dans les airs! Mais qui est-ce? On s'en fout, il faut la battre! D'accord, voilà les pillards. Et ils sont dangereux. On va pouvoir en finir!
Je sais pas comment qu'il y en a, là. Il y en avait juste trois. Ils ne viendront plus attaquer Rivemer, ni personne d'autre. Vague de justice, personnel qui est nommé. C'est cheap comme. Ok, on l'a fait. Maintenant, on va faire celle-là. Être niveau 20, ça devrait bien aller. The fuck que j'ai pas. Était là. Ok. Je peux peut-être augmenter quelque chose. Pas ma connaissance. Grippe de gel. Des crocs métalliques de vue de pivot. Oh, ça, là. Je vais peut-être upgrader mes sacs, par exemple. Poche de corde. Gaine pour pic. Sac de nourriture. Ok, voyons voir. Fenira a dit que le camp de chasse de son père devait être près d'ici. Peut-être qu'il fait de l'Alzheimer ou quelque chose. C'est là, ça pourrait être possible. Je veux dire. Un camp de chasse. Ça doit être là que Fenira s'est confronté à son père. Je pourrais peut-être trouver ses empreintes avec mon focus. Une jarre d'huile renversée, du sang. Sans doute celui de Fenira. Son père l'a attaqué. Voyons où ça nous mène. Garoka, il faut aller l'aider. Ça va être long si j'utilise de l'acide compris. C'est ça que t'attends qu'elle meure, genre? Je note que c'est quand même assez puissant. Tu te bats comme une Ténac, mais tu n'es pas des nôtres. Dis-moi ton nom, étrangère. Je suis Aloy. Tu dois être Garoka. Fenira m'a demandé de te trouver. Elle est rentrée au village et elle doit guérir de sa blessure après votre dispute. Elle est entre de bonnes mains, alors. Bien. Il faut qu'on avance. Il y a une escouade plus loin dans la forêt, ils vont tomber dans une embuscade. De qui? Des rebelles? Si c'est ainsi que tu veux les appeler, d'ignobles vermines. En tout cas, j'aurais bien besoin de ta lance. Qu'en dis-tu? D'accord. Où est l'escouade? Par ici.
Je sais pas là. On gagnera du temps si on passe par les sentinelles. Comment tu sais pour l'attaque ? On a observé les mouvements ennemis depuis le col de la montagne. Ils essaient de prendre notre territoire depuis des années. C'est juste une nouvelle tentative. Des années ? La rébellion de Regala n'est pas si vieille. Tout ça est étrange. Que j'aille ça, ces bestioles-là. Là, le moins. Les trois sont morts? Good lord. J'étais pourtant sûr que c'était. Tant pis. Il faut qu'on rejoigne les soldats. Pas de l'Alzheimer, dude. Clairement. Et comment connais-tu mon nom ? Je suis Aloy. Fenira m'a demandé de te retrouver. J'imagine que tu as oublié ce qui s'est passé. J'ai encore eu une absence, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu m'as dit qu'il y avait une escouade qui allait être attaquée. C'est là que ça s'est passé, pas vrai ? Il y a bien longtemps. Oui. Mon escouade, le clan du ciel nous a tendu un piège, un vrai massacre. C'était, je dirais, il y a 30 ans de ça. Fenira pense que tu sors en cachette pour chasser dans la forêt. Mais en fait, tu reviens ici. Écoute, ce n'est pas facile à dire, Garoka, mais... Elle est blessée. C'est grave. Elle a essayé de t'empêcher de partir. Je l'ai blessée ? Mais jamais je... Non. C'est comme... un brouillard. J'ai l'impression d'avoir erré à travers tout ce temps, perdu, serrant dans ma main une lame inconnue. Et quand il se dissipe enfin, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait ni pourquoi. Je finis toujours... seul dans la forêt. Depuis combien de temps ça t'arrive ? Ce brouillard. Des semaines, des mois peut-être. Au début, je me suis dit que ça allait passer comme quand on se prend un coup sur la tête. Et puis les noms et les visages ont commencé à s'effacer. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé dans la forêt, sans trop savoir comment. Pourquoi n'avoir rien dit à Fenira ? J'étais censé lui dire quoi ? Que je m'effiloche comme une vieille corde élimée ? Non. Mais regarde où ça t'a mené. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as blessée.
Donc le clan du ciel a piégé ton escouadre. C'est intéressant, c'était cette quest-là, mec. Oui, nous avions presque terminé notre patrouille. Et nous étions sur le point de rentrer au village quand ils ont déferlé. Je suis le seul survivant. Une fois remis sur pied, je suis revenu ici construire un monument là où les miens étaient morts. Et puis ensuite, je suis allé terrasser deux fois plus de leurs soldats en représailles. C'était ça, les guerres de clans. Tout à l'heure, tu as dit que l'ennemi essayait de prendre le territoire de la plaine depuis des années. C'était à l'époque des guerres de clans. Avant qu'Ekaro ne devienne notre chef, nos clans étaient constamment en guerre. On se battait pour la moindre parcelle de forêt. Le village en ruine près d'ici témoigne de cette époque. Malgré le nombre de soldats qui tombaient, il y avait toujours une nouvelle vengeance à assouvir. On raconte que si le bois des sentinelles est aussi rouge, je sais, c'est à cause du sang versé au fil des âges. Nous devrions rentrer au village. Attends. Le monument. Quelque chose a disparu. Il manque une pierre tombale. Faite à partir des lames de mes camarades. Où est-elle? Elle doit être quelque part par là. Je dois la trouver. Je sais qu'elle est là. Hé, hey, calme-toi. Laisse-moi regarder. D'accord. Je dois scanner le monument avec mon focus. Des empreintes qui partent du monument. Vas-y, je te suis. Ok. Une créature qui l'aurait volé. Les grimpeurs. Ils ont dû emporter la pierre tombale. C'est pire. Je te suis. Je serais au gamma et au feu, mais pas à la glace. Moins. Wow, la queue, c'est son point faible. La tête. Il faut trouver la pierre tombale. Peut-être dans un des tas de déchets des grimpeurs. Je vais monter la garde au cas où d'autres machines arrivent. Moi, étant en haut, où est-ce que les deux étaient là? Ce serait logique. Pas de pierre tombale. Je vais garder dans un autre tas. Par là. Je l'ai trouvée. Maintenant, je dois la rendre à Garopa. Là, je crois que c'est la pierre tombale. Oui, c'est bien ça. Je vais la remettre sur le monument. Tu peux
partir devant, je veux rester un peu loin. Me rappeler mes camarades. Tu es sûr? Ça va aller. Aucun signe de brouillard. D'accord. Je vais retourner au village et dire à Fenira que tu vas bien. Merci, alors. J'ai envie de faire chaque village, voir s'il n'y a pas des side quests, mais en même temps. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. On va voir. Aloy, tu es revenu. Mais où est mon père? Tout va bien. Je l'ai trouvé. Il n'est pas devenu fou, Fenira. Il oublie juste des choses, de plus en plus. Il se croyait au temps des guerres de clans, il pensait sauver son escouade d'une embuscade. Quand on est arrivé au monument, il est revenu dans le présent. Il dit que c'est comme être perdu dans un brouillard. Attends. J'ai déjà entendu parler de ça. Un fait rare qui touche les chapelains. Leur mémoire s'estompe avec les années. Garoka n'est pas chapelain. Mais il en a l'âge, cependant. Avant qu'Ekaro ne devienne chef, nous étions peu à vivre aussi longtemps. C'est ça, la raison. Oh, loué soit Lidis. S'il avait été jugé fou, alors il aurait été condamné à mort. Quoi? Non, il vieillit, c'est tout. Il a besoin d'aide, pas d'une condamnation. Je suis sûre que le reste du village considère que c'est la même chose. Mais on va le surveiller de près. Et d'ailleurs... Où est-il maintenant? Ici. Ma pauvre chérie. Je suis désolé. Tout va bien aller. Tu es rentré à la maison. Maintenant, je comprends. Quand le brouillard viendra, je serrerai ta main dans la mienne et je serai ta mémoire. Tu n'auras pas de raison d'avoir peur. Merci encore pour ton aide. Tiens, accepte ça. Tes exploits, tes efforts pour Fenira, resteront toujours gravés dans nos mémoires. Merci, Aloy. Aloy. Oui, Aloy. Ne baisse pas la garde. Là. Allonge-toi et repose-toi. Tu ne vas pas te mettre, toi aussi. Deux avis contre un. Très bien. Ok. Je vais faire le tour des villes. Si je pense pas qu'il y ait d'autres side quests, j'ai tout fait. Faire le tour. Non. Qu'est-ce qu'il me reste là? Premier vol, c'est tout. Ok. Où est-ce qu'il y a des villes? Il y a sept qu'il y a une ville. Il y a cette ville-là qui avait juste une side quest. Peut-être qu'il y en a d'autres. Il n'y a rien d'autre ça. Est-ce qu'on a toutes fait les side quests? Yolo. Je vais vraiment aller partout.
Prends plus de chance. L'autre jour, il n'y a pas de demande. Alors, ouais, cette quest là. Ok. Monter dans le Grand Nord. Sentinelle des cieux, c'est quoi ça? C'est une ville? Je me rappelle plus. Si les Banouk peuvent survivre au gel, viens faire affaire avec les Ténac. Les clans doivent s'unir. Tu peux acheter des affaires, hein? Non, avant pas de. Il y a ici que peut-être. Moi, les grosses villes principales devraient avoir des side quests. Sauf celle-là. Premier vol, c'est juste à côté. Tant qu'à y aller, je vais le faire. J'ai entendu dire qu'elle avait empêché des... Elle est peut-être pas morte aussi. Right? Oh non, elle était morte, elle est morte. Donc tu sais qu'elles l'ont retrouvée morte, la fille, ou juste comme... C'est sur cette montagne que la Ténac s'est battue contre l'oiseau tempête. Le pauvre. L'armure de Ferrica devrait être dans les environs. J'aime pas se récupérer des affaires. C'est seulement quand tu récupères des affaires. De l'armure de Ferrica. Il doit y en avoir d'autres. Oh, oh, ce doit être l'oiseau tempête qui a tué Ferrica. Hello, Birdie. Putain, il est mort. Je devrais fouiller l'oiseau de tête. Je trouverai peut-être un fragment d'armure. Ouh. Tu
penses que tu vas trouver un femme avec l'armure sur cette affaire-là? Un autre morceau d'armure sur la machine. Où est-ce qu'il y a un autre morceau d'armure? Ah ah! Plus facile? On dirait un autre fragment d'armure. Je crois que j'ai tout. Je devrais aller dire au Ténac que j'ai récupéré ce qui reste de l'équipement de Ferrica. C'est une quête site, ok. Oh. Je sais pas moi qui reste de side quest. Si j'ai tout fait ou. Parce que le premier, je pensais d'avoir tout fait, mais ça a l'air que non, parce qu'il y avait un personnage dans ce jeu-là que j'ai jamais vu. Dans le premier. On t'a vu voler. Tu as trouvé Ferrica? J'ai pu récupérer son armure. Ou du moins ce qu'il en reste. Elle n'avait aucune chance en face de cet oiseau tempête. Oh, je vois. C'est une fin horrible. Mais pour le moins honorable. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'était la première à avoir volé sur les ailes des 10? Elle était courageuse. Et elle a passé un moment dans les airs. Je dirais qu'elle a volé. Elle a volé. Je le savais. C'était la première. En tant que successeur, tu devrais garder l'armure. Tu pourras la réparer à l'établi, là-bas. Ouh. C'est pas que c'est une belle armure. Quand t'auras réparé l'armure, elle sera à toi. Tu es comme Ferrica. Intrépide, courageuse et assez diplomate. Elle a connu une fin tragique. Elle mérite ce titre. Très bien. C'est gentil de ta part d'être aussi humble. Le plan du ciel est un approche, faisons un fait. Yeah, grimper un stade du ciel. Point de compétence. Qu'on fait là? On visite les villes. Ok, on va checker les villes. Grosse ville importante. Voie de la plaine. Peut-être quelque chose là. Ah, championne. Tu viens t'asseoir un moment? Qu'est-ce que t'as à me dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme humeur? Reste sur tes gardes, d'accord? J'ai vu une équipe d'Océram monter leur campement au sud-ouest d'ici. Ils ont de la chance que le chef Ekaro tolère les Orientaux. Sinon, ils seraient déjà morts. Je suis sûr qu'ils ne veulent aucun mal. Je devrais peut-être aller leur parler à l'occasion, pour voir ce qu'ils font là-bas.
on a Haut-Marais, que c'est rendu une ville. Oui, avant c'était un... C'était juste un... C'était un camp que j'ai libéré, ça. C'est des side quests, ça? Il y a peut-être plus de side quests, je pense à ça, là. J'ai été là, monté de Traspuis. Ou pas, je sais pas. Montée de Traspuis. Je me dis qu'il montrerait... Point d'exclamation. On retourne à Las Vegas aussi. Camp au mai. Marque sanglante. Il y a peut-être quelque chose là. Est-ce que j'ai vraiment tout fait les side quests? Il y en a plus d'autres. Ici, on a quoi? Alit. C'est une autre place. Lance ardente, peut-être? En même temps, je veux voir la nouvelle peinture que j'ai débloquée. Peinture faciale. Tu peux marcher. Tu triompes de tes ennemis. Non, je pense qu'il n'y a plus de side quest. Moi, je vais aller à base, puis ça finit là. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Dragon Ténac, je pense que c'est ça que j'ai débloqué. J'aime bien eux autres. Ok, fait qu'on retourne dans la base. On a qu'est-ce qu'on a de besoin. On va parler à Silen. Silen. Puis on voit ce qu'il y en a. D'après moi, j'ai peut-être encore 3 heures de jeu à faire, peut-être. Max? Eh, hey, monsieur, je sais tout est arrivé. Son ami avec un focus qui sourit jamais. Je savais pas quoi faire de lui, alors il t'attend dans ta salle. D'accord. Merci. Eh ben, Silence, on dirait que t'as enfin trouvé une porte que tu peux ouvrir sans moi. Eh bien, heureusement qu'elle était là. Elle m'a épargné la compagnie des gens que tu fréquentes. Mais bref, passons. Je crois que tu me dois des explications. Que prévois-tu pour la base des Zéniths ? C'est vrai. Je te dois quelque chose. Un coup de lance dans la gorge pour m'avoir encore trahi, au laboratoire d'Hadès. Je doute que tu m'aies fait venir pour me menacer. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Alors je te donne une toute dernière chance. Mais si tu me trahis à nouveau, je te tuerai, peu importe les circonstances. C'est compris ? C'est noté. Mais les Zéniths risquent d'écourter nos devis avant si tu ne nous fais pas entrer dans cette base. Aloy, ton autre invité est là.
Elle vient vers toi. Merci. Timing parfait. En vérité, je ne peux pas nous faire entrer dans cette base. Mais elle... elle peut. Tes fréquentations sont encore pires que ce que j'imaginais. Tu n'aimes pas tellement les surprises, toi. Ah, tiens. Ça doit être ta petite invention. Est-ce que l'arme fonctionne? Sans s'auto-détruire? Bien évidemment. J'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception. Et ses effets. Comment on peut en être sûr? Tu veux une démonstration? Vous deux, ça suffit. On est dans le même bateau, au moins pour l'instant. Allez voir Erend. Demandez-lui de vous attribuer des salles. Je reviendrai vous voir dès que j'aurai le temps. Oh non, après toi. Je dois rassembler tout le monde dans la salle des commandes pour que Tilda nous dise ce qu'elle sait sur la base des Zénith. Let's go. Bon, il est peut-être temps de réunir tout le monde pour que Tilda puisse nous parler. Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes, tout de suite. Un gros speech final. Bien, commençons. Pour le Gandalf. Beta, Gaïa, sans oublier la vie sur Terre. On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles, mais ce n'est pas le cas. On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leur base et les vaincre. On a même l'une des leurs avec nous. Tilda, montre-nous la base. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien... complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer. À cet endroit. Discrètement. Et comment, juste? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. La tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. En particulier Gérard, Eric et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leurs boucliers, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones Spectre en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'infiltrer. Quel est le meilleur endroit pour ça? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris? Vous deux? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta, et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur, ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. Toute la mission
repose là-dessus. Ça ira. Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths. Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations au sujet des Zéniths. Tout détail que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai de mon mieux. Veille sur elle. D'accord ? Je te le promets. Okay. Bon. Je vais bientôt devoir aller chercher Beta et Gaïa. Je devrais peut-être aller voir tout le monde avant. Mais non, on s'en va faire ça, voyons. La plage que j'ai pas été. Où le point le plus proche? Ici. Tout le monde est correct, tout le monde va survivre, voyons donc. Déjà, Valve est mort, hein? On a besoin d'en avoir d'autres, hein? Peut-être que celui qui a un bras, peut-être, puis Alva, ils pourraient être ensemble. Un beau vol plané. Ce serait formidable, non? Ok, Lille est là. Le point de rendez-vous. J'ai encore pas mal de choses à faire avant d'appeler les autres pour attaquer la base des Zéniths. Yes. C'est la fin. C'est la dernière quête. Partez pour l'instant. Appelez vos compagnons. Retour impossible. Ouais, let's go. C'est bon. Je suis au point de rendez-vous. Il est temps d'aller sauver Beta et Gaïa. C'est compris, Aloy. Nous sommes en route. Chip Aloy. Aloy. Où sont les autres? Juste là, derrière. Cette tête d'œuf voulait pas voyager avec tout le monde. C'est qui a le casque, là? Tout le monde est là? Ah, oh, il a mis son bras de métal, ok. Alors, non, c'est qui dans le fond? Ah, c'est Regala. Ok. On m'a pris du temps à catcher. Un tunnel. Une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île. Quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser, j'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement. Alors je n'en ai pas parlé aux autres. On y va. Je t'atroce pas quand même. Mais elle disait qu'on allait affronter probablement Eric, Gérard et quelque chose d'autre. Un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base. Mais Salen nous a comme interrompu. Voilà la tour de lancement. Cette plaine est à découvert. Il n'y a qu'un seul chemin possible par ici. Des spectres vont sûrement le garder. Et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars. Très bien. Alva, Totalo, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelque chose d'important.
Erend, avec moi. Vous autres, passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir. C'est une bonne tactique, j'imagine. Et elle, que fera-t-elle? Il y a un nœud de capteur pas loin. Si je le pirate, je devrais pouvoir brouiller le réseau et vous permettre de passer inaperçu. Mais pas longtemps. Eh bien, poursuivons dans ce cas. Autre chose. Ouvre le canal à Beta. Juste l'audio. Aloy ? On est là. Et on vient te sauver. Tu sais quoi faire, pas vrai ? Bien sûr, tant que tu fais ta part. Sans faute. C'est-tu leur linge ou c'est vraiment des morceaux de robot, leur corps ? Allons-y. C'est bizarre, hein ? Ok, je suis avec Eren. Let's go, Eren. Va à la tour de lancement le plus vite possible. Je ferai de mon mieux pour camoufler notre intrusion. On a de la compagnie. Allez. Ce que je fais toujours. Ça. Sont faibles à la glace déjà. Hein. Oh oui. C'est vrai qu'il nous reste un robot à trouver, fait que. Je sens qu'il va y avoir un boss final, quelque chose. Il me semble qu'il y a une grotte en haut qui pourrait nous permettre de traverser cette crête. Il va falloir grimper. Easy peasy. Des enclumes. Aloy, Alva et moi arrivons vers le régulateur. Tenez-moi au courant. C'est sinistre ici. Ne t'en fais pas, je te protégerai. Va nager. Moi, je reste au sec. Si je tombe. Il faudrait un aussi. J'imagine que je vais devoir trouver un autre chemin. Escalade. Comment qu'il a fait ça? Désolé, Eren. Il y a beaucoup de machines détruites sur cette. On en a tué beaucoup quand on s'est posé ici. Leurs pièces peuvent sûrement être utiles. Un autre spectre. Évite-le ou attaque, comme tu veux.
attaquer. Couvrez-la. D'accord, je tire. C'est normal, c'est qui? On peut traverser sur la carcasse d'oiseau tempête. Mais bon, s'il est mort, je vais bien m'en servir. Je me souviens du bon vieux temps. Mon seul problème était d'éviter la destruction de Meridian. Au lieu de sauver le monde entier. Ah oui. C'était le bon temps. Ah, prospect. L'attaque d'Ectiva. Il y en a deux. Va saigner. Enfuis à la castagne. Je pense qu'il y en a plus que deux. Oh, il y en a plus que deux, ça je pensais. On continue. Des éclats? Un peu. Okay, on a quand même un nest gros chemin à faire. Là, par-dessus ce rocher. Faut faire le tour en escaladant. Je vais essayer de pas trop me plaindre. Je vois la suite du chemin. Continuez d'avancer. On va aussi vite que possible. Tout va bien ? Je survivrai.
Ok, on va arrêter ça là pour l'épisode. On va continuer ça. Je sais pas si je vais finir le jeu le prochain épisode. On verra. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir été tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.